Et la chance au concours, plus concrètement, ce sont 300 journalistes professionnels, des rédacteurs en chef, des journalistes de télévision, des journalistes d'agence, des journalistes indépendants aussi, qui accompagnent semaine après semaine ces étudiants boursiers dans la préparation des concours des écoles de journalisme. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une question de légitimité. Nous, les médias d'information, une de nos tâches, c'est tout de même de raconter la France. Et nous la raconterons mieux si nous lui ressemblons davantage. Ce qui a fait que la chance au concours a pris de plus en plus d'importance, c'est d'abord parce que les créateurs ne s'étaient pas plantés sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a un problème sur la diversité dans les médias et que ça a fait écho dans la société et qu'il y a plein de journalistes notamment qui sont venus nous soutenir. Ensuite, ça a marché parce que les étudiants qu'on a formés sont tout de suite venus renforcer les rangs des bénévoles, appuyer l'association, et du coup, il y a un cercle vertueux qui s'est mis en place et qui a donné de l'énergie et de l'envie à l'association. Lorsque je suis arrivée à la chance au concours, quelques mois après, la chance au concours a été lauréate du dispositif La France s'engage. Alors, si on avait déjà quelques pistes pour se développer en région, grâce à La France s'engage, on a eu les moyens de le faire. Et ça a commencé par Toulouse, ensuite Strasbourg, Grenoble, et puis la rentrée prochaine, Marseille, et ensuite Rennes. Et ce qui est absolument formidable, c'est de découvrir une nouvelle ville, de nouveaux journalistes, et tout de suite beaucoup d'enthousiasme à l'idée de créer une nouvelle promo de la chance au concours en région. Bien au-delà d'une bande d'amis assez soudés, la CAQ, c'est, on ne le dit pas assez, mais c'est surtout des intervenants super intéressants, quoi. Tous plus les uns que les autres. Et par exemple, je me rappelle d'Eddy Cadour, enfin, ce qui était mon parrain en plus. Enfin, on arrivait dans son cours et on était tous, waouh, on était happés par ce qu'il disait, par sa façon de le dire, son charisme. Et ça, c'est des choses qui marquent. Et c'est aussi ça, la chance au concours. J'aime beaucoup être avec des étudiants. Et j'aime l'idée que ces étudiants n'ont pas toujours été aidés au départ. Et j'aime être comme une fée qui se penche sur leur berceau. Et nous, à la CAQ, les journalistes, nous sommes des fées qui nous penchons sur le berceau de ces étudiants qui en ont besoin. Et je leur dis souvent, c'est une année exceptionnelle que vous allez vivre. Exceptionnelle, parce que ça ne se produira plus jamais. Moi, j'ai fait partie de la promotion 2012, la fameuse CAQ 24, la première à être passée à 24 élèves. C'était une ambiance de malade mental, hein. La personne qui est derrière la caméra sait de quoi je parle. On a fait les fous, on a rigolé. Tous les samedis, c'était. Les intervenants, je pense, ont eu du mal avec nous au début, mais ils se sont attachés, j'en suis sûr. Et non, le cocktail gagnant de cette promotion, on l'avait avec les résultats, c'est que certes, il y avait la bonne humeur, mais on était des gros travailleurs. Et c'est ce mélange entre bonne humeur et sérieux qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Et ce qui m'a marqué au sein de la chance au concours, c'est le fait de pouvoir travailler en équipe, donc de ne pas être seul, non seulement pour faire les fiches d'actualité, mais aussi et surtout quand on passe les concours en fait, le jour même. Pouvoir se retrouver, parler, donc c'est très important. Ça change totalement la donne d'être entouré ou d'être seul. Ce qui m'a plu à la CAQ, c'est d'abord la bienveillance des gens, que ce soit des intervenants, des gens qui travaillent, des bénévoles. La bienveillance et la disponibilité aussi des gens, avec un esprit de bien faire, d'aider en fait. C'est 10 fois ce qu'on aurait pu trouver avec une prépa payante. Et ce qui m'a marqué à la CAQ aussi, c'est le fait d'avoir un tuteur. Donc moi, j'avais Julien Rousset, journaliste à Sud-Ouest, à Bordeaux. Et donc je trouve que c'est très important d'avoir quelqu'un du métier donc pour t'aider, pour donner des tuyaux. Mais aussi, donc, il m'a fait passer des oraux blancs. Et il m'a fait aussi avoir un stage dans l'agence. Donc c'est très important, je trouve, d'être entouré de gens et de voir que c'est possible et de voir où ils en sont aujourd'hui. Évidemment, on doit soutenir la chance au concours, on doit accompagner ce combat, car il faut bousculer notre profession. Elle ne peut pas elle-même refléter une France bloquée, une France où le mâle blanc est au fond la caricature de ce que serait notre peuple, qui est autrement bariolé, et pour nous c'est une richesse. Je parraine la chance au concours pour une raison simple, qui est que ce métier a besoin, puisqu'il parle à la France, être à l'image de la France. Donc on a besoin de journalistes qui viennent de tous horizons, de tous milieux et de toutes origines,
pour le bien du journalisme, pour la pertinence du journalisme, parce que c'est la condition d'une expression la plus proche possible et la plus diverse possible du journalisme. Une fois à la chance au concours, toute la vie à la chance au concours.